tout le monde, on est reparti sur du Dyson Sphere Programme, le jeu dans lequel on va construire une sphère autour d'une étoile pour recueillir l'énergie qu'elle produit. On est actuellement sur une petite planète, je dirais même peut-être un satellite naturel qui orbite autour de cette planète gigantesque. Notre objectif est de récolter toutes les ressources nécessaires et de construire toutes les machines qu'il nous faut pour quitter l'orbite de la planète, explorer les autres planètes, récolter plus de ressources et démarrer le projet donc qui est de construire cette sphère de Dyson. Pour le moment, je produis des circuits électroniques avec cette petite chaîne de production, mais la base va très vite changer, j'ai une recherche à terminer et puis on va tout raser et tout refaire pour avoir quelque chose de vraiment plus fonctionnel et de pratique. Donc pour faire un petit rappel, ici nous avons du minerai de fer, on l'extrait grâce à la petite mine que l'on raffine ici dans le fourneau en plaques ou en lingots et on l'envoie là pour pouvoir faire notre circuit électronique. Même chose avec le cuivre, donc minerai, plaque, circuit électronique. Ici nous avons une exploitation ou une mine de charbon pour alimenter notre générateur à l'électricité. Pour le moment on peut voir qu'on produit, on récolte plus de charbon que nécessaire, donc je vais peut-être pouvoir rajouter 2, 3, peut-être 4, on va voir, générateur une fois qu'il y a besoin d'un petit peu plus d'énergie. Là en énergie on devrait être pas mal, ouais on produit 4,86, on utilise les 2, ouais 2 au max, donc on est vraiment tranquille, on est au moins 50%, on a 50% de production en trop, pas de soucis. Et donc là ce que je veux faire déjà, c'est que je veux terminer ma recherche. Donc la recherche va me permettre d'obtenir ce que je veux vraiment, un séparateur à 4 chemins, voilà. Donc qui va me permettre de faire des chemins parallèles pour envoyer la production par exemple de d'un fourneau vers 2 usines. Je peux déjà bidouiller un petit peu, mais là ça va vraiment me faciliter les choses. Pour cela il me faut 92 cubes bleus que l'on commence à produire là. Par contre alors j'ai suffisamment de circuit électronique, vous voyez j'en ai 100 et nous en faut 92 cubes bleus, j'y arrive, alors qu'il en faut que 1 par cube bleu. Donc là on est au-dessus de ce qu'il faut, là le problème ça va être le magnetic coil, ouais voilà ça. Donc je vais changer la production d'ici, en attendant on va tout virer hein, comme je vous l'ai dit dans pas longtemps. Donc on va te mettre, et toi tu as besoin de plaques, d'accord, qui arrivent de là, et tu vas de cuivre, et on a besoin de d'aimants. Alors les aimants on va les fabriquer ici. Alors toi déjà je vais te sélectionner, j'arrive. Voilà, toi on va dire, tu vas nous sortir que les aimants. Donc voilà, il arrête de sortir ça. Et toi on va te dire de nous fabriquer maintenant des aimants. Normalement ça utilise que le minerai. Ouais, c'est bon. Donc là on va voir une nouvelle production. C'est envoyé là-bas. Ah oui, alors là le problème, on va falloir retirer ce qu'il y a là. Alors ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire un cercle. Mais c'est pas grave, là je vais juste pas m'embêter. Hop, on va retirer tout ce qu'il y a là. Comme ça, ça va être fait. Et on va remettre le tapis roulant. Voilà. Hop. Très bien. Alors, je pourrais peut-être après, si je veux... Oh, on peut construire des tapis dans l'eau. On peut construire des tapis... Oh, ok. Est-ce que je peux mettre des bâtiments, genre... Ah, ok. D'accord. Bon, bah alors, maintenant que ça est en route... Tu devrais commencer. Tu ne l'envoies pas. La question c'est est-ce que il n'y a pas de filtre? Ah, ça c'est. Ah hein. Filtre. Voilà. Il n'y a pas de connexion de fait. On va devoir le repositionner, je pense. Parce que je l'ai retiré tout à l'heure. Voilà. Hein. Et ça y est, la production redémarre et là on va voir ce qu'il nous faut. Comme ça j'ai pas à le faire à la main. D'ailleurs je vais ramasser ça. Hop, on va te mettre là-dedans. Et la recherche démarre. Bah, il n'y a plus qu'à attendre de se rapprocher ou des 92 total à produire. Ça y est, donc là on est bon et je vais enfin je pense pouvoir commencer. Alors on va démonter toute la base, déjà je vais retirer complètement les éoliennes parce que ça prend beaucoup de place, il n'y en a pas besoin. Je vais vraiment augmenter le nombre de générateurs à charbon et on va essayer de faire plusieurs lignes de production pour toutes les ressources et bien stocker les choses. Donc tout ça, ça va partir et on va commencer maintenant. Donc, on retire le tout, de toute façon ce n'est pas perdu. Ça retourne, vous voyez, dans le sac. Hein, je récupère exactement ce que j'ai posé. Donc, je suis désolé, tout le monde. D'ailleurs, au passage, est-ce que je peux déjà peut-être faire une amélioration? Si je voudrais faire l'amélioration qui vole, je me rappelle bien, elle devrait être... Par la construction verticale. Ça va être pas mal. Ouh. 400 en rouge, oui, ça a picoté.
Voilà, c'est ça. Il me faut 150 de charbon et 60 de toi. Ah bah tiens, je vais te le faire maintenant, ça. Alors, on va là-dedans. On va prendre toi. Et alors, le charbon, je vais devoir le prendre ici. J'ai pas encore de réserve de charbon. Est-ce que toi, t'as un stock? T'as un stock d'une dizaine. Pas la peine de te le piquer. On va attendre. Oh purée, ça sort à une vitesse. Ok, donc encore un petit peu et on va être bon. Et en attendant, on va démonter tout sauf les mines. Et voilà, alors on va faire la recherche. Je me suis rendu compte qu'il me faut le Mecha Core level 1. Donc on t'active. La recherche est partie. Ouh, c'est intéressant comment elle se passe. Et on va ensuite que je te retrouve ici. Donc une fois que c'est fait, hop, dans la queue. Et tu vas nous permettre de voler avec un double jump. Ça c'est génial. Bon, alors maintenant, je vais commencer ici à préparer. Pas grave, s'il n'y a pas d'énergie, c'est normal. On va te retirer. Voilà. Là, ce qu'il me faut, c'est faire plusieurs usines qui produisent des plaques. Hein, plusieurs fourneaux qui produisent des plaques ou des lingots. Donc, comme ça, je vais en avoir trois. Je vais te ramener, je vais te stocker là-haut, je pense. Donc, c'est parti. D'ailleurs, je vais demander de m'en faire beaucoup plus. Double clic. Il me manque quoi? Il manque de la roche pour ça. Ok, bah c'est pas grave, j'en ai là, on va récolter. Alors, le Mecha Core 1 est fait, donc apparemment, maintenant, je peux avoir un peu plus d'énergie en stock, comme on avait vu auparavant. Ça, c'est cool. Et je ne vais pas avoir assez de charbon. Alors, je commence à être un petit peu juste. Je vais faire un stockage. Parce qu'en fait, j'ai ramassé tout ce qu'il y a dans les usines. Et du coup, j'ai plus beaucoup de place sur moi. Non, on va juste virer un petit peu tous ces duplicata, là. Hop, hop. Pas besoin de tout ça, j'ai besoin de place. On reviendra le récupérer. On a besoin de plus de charbon. Voilà, là on va en avoir assez. Et est-ce que j'ai encore assez? Ouais, j'ai encore assez de charbon, mais ça va pas tenir super longtemps. Donc on va ramasser toi et on va te stocker là-dedans. Ok. Une fois que ça c'est fait, là j'ai normalement de quoi me faire quelques fours. Non, en plus je peux en faire 5. Bon, ça va être un début, mais ça va pas suffire. On va là-bas. Pourquoi tu te déplaces pas? Vas-y, hop, hop, hop. Par contre, la recherche met un peu de temps, hein. Faut les prévoir à l'avance. Je vois plus 11 de roche, plus 5. Donc c'est cool, je vois que la taille du caillou correspond à la ressource que l'on va obtenir, à la quantité. Ah ouais, alors du coup, encore un petit peu plus. Oh, il te manque quoi? Il te manque des plaques de fer. Il n'y a pas de plaques de fer? C'est pas grave, on va en faire ici. Donc, on va te mettre là. Donc pour être franc, là, j'ai pas tellement besoin du trieur pour le moment. On va en mettre 3. Et on va retirer ça. Ah, le jeu est tellement joli quand il fait jour. Et toi. J'espère que... Alors la question c'est, est-ce que ça va tout ramasser ou pas? Je me dis que ça va remplir le premier, on va voir. Du coup, maintenant on a besoin de poteaux. Alors les poteaux là, on va les faire passer le plus loin possible. Voilà. Quoi? Au moment, plaque. Plaque et plaque. Plus tard, je vais faire une dérive là, ou alors on va prendre celui-ci et on va faire autre chose. On va tout mettre dans le même coffre maintenant. Donc c'est là que ça va rentrer en jeu. Bah, ah, il voulait pas descendre. Quoique, j'aurais peut-être pu le faire avant en fait. Hein. Du coup, on va mettre ça. On va te faire passer par en haut. Supprimer-toi. Ok. Ah, ça y est. Ça y est. Oh, génial. Regardez. On se déplace plus vite. Est-ce que je peux construire de là? Ah, par contre, c'est... Ah ouais, regardez la quantité d'énergie. Ça utilise, ouais, ouais. Ok. C'est Alt pour redescendre et se reposer. D'accord, pour faire gaffe à ça. Purée, alors, côté énergie. Ouais, donc toi, tu vas sortir. On va te faire passer tac, tac. Ou quoique. Quoique, pourquoi m'embêter?
Vraiment juste deux. Ah oui, il y a eux également, mais eux, je crois que je peux quand même le... Alors, j'ai décidé de m'y prendre comme ça. Plutôt que de faire trois coffres séparés qui reçoivent chacun. Alors, je suis obligé de faire ça parce que je ne peux pas les superposer, les deux, là. Donc, je dois avoir un petit espace. Donc, voilà, comme ça. Et là, j'ai pas d'énergie, d'accord. Bon, c'est pas un souci. On va te mettre... On va te mettre là. Voilà. Donc, comme ça, vu que ça va stocker là, puis ça va aller... Enfin, ça va passer là et aller stocker là. Donc, je pourrais directement aller à ce coffre-là pour accéder à la majorité de la... Enfin, tout même. Et si jamais ça déborde, ça va être stocké là. Et comme ça, j'ai juste à faire une petite sortie, puis, et à l'amener à l'usine que je veux. Donc là, pour le moment, il va y avoir plus de choses parce que bah, ils ont stocké pas mal de plaques d'ailleurs. Est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai 100 sur moi, donc j'en ai pas besoin de plus. Ok, donc là, déjà, on a ça. On va faire la même chose avec le cuivre là-bas. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, il y a juste besoin maintenant d'énergie. Bah, tiens, on peut te ramener de là. On devrait presque tout couvrir. On va en mettre un là. Voilà. Maintenant, on marque bien. Tu vas me fabriquer ça. Ça. Et ça. Alors, 60 par minute. Et toi, c'est 180. Donc, normalement, on est bon. On a la production qui correspond à... On a l'extraction qui correspond à la production. Ici. Alors, on en est où côté énergie? On est où? Ok, on a plus suffisamment. Donc là, bon, ça va être pas trop dur. On va... Alors, est-ce que tu peux faire passer là? Parce que ce serait peut-être plus simple de... Non, ok. Oh, on va en mettre un deuxième ici, un troisième, ok. Alors, pour l'énergie... Oh, ah, je l'ai pas assez. Est-ce que je peux te fabriquer? Ouais. Même tu vas m'en faire deux. On attend. Et alors, au passage, il faudrait que je songe à... Ouh! Bientôt plus. D'accord, je sais pas, je fais pas gaffe. Ah bah tiens, toi, on va se débarrasser de toi, on va se débarrasser de toi. Et je vais ramasser un petit peu de ça. Et l'on va envoyer 197. Je crois qu'on est à 140 ou à 180, je me rappelle plus. Donc, bah, moi je trouve un moyen plus efficace pour l'énergie. Je sais pas si on a. On va devoir te mettre là. Ok. Donc toi, on va pas m'entretirer. On va retirer ça. Ouais, je sais, pas de carburant. Ah, je suis en mode destruction. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, zut. Je vérifie. Ouais, là, je vais pas pouvoir les... Ok, il va falloir les séparer un petit peu plus. Sur les deux côtés. Toi, je peux te mettre là. On va te mettre là. On va te mettre là. Ah, c'est là qu'il va falloir mettre le séparateur. Voilà. Non. Oh, un petit peu dommage, faut le poser avant les... Splitter with four directions. Faut les poser avant. Split the passing cargo or balance the cargo on multiple conveyor belts. The splitting speed depends on the conveyor belt speed. Use the tab key to switch between different styles and click it to set priorities and filters. Non. Toi. On va te mettre un petit peu. Voilà, juste pour alimenter un petit peu. Voilà, comme ça. Toi, tu arrives à nouveau. Et alors, je m'y attendais pas tellement qu'il ça se passait comme ça, mais bon, d'accord. C'est plus intelligent dans Satisfactory. Alors, toi. Pas assez. Fabrique-moi-en... 5. Voilà. Sinon, ça n'alimente pas.
Ça l'alimente, on est d'accord. Hein. Ouais, voilà, ok, l'autre également. Et toi? Parfait. Et avec ça, on en a trois qui fonctionnent. Alors j'espère que ça ne va pas bouffer le charbon si on n'a pas besoin. J'ai l'impression que si. Mais bon, de toute façon, le charbon n'est pas infini, hein, c'est vrai. Ok, on est comme à là, et là on a une production de 6,48. Mais bon, là c'est parce qu'on n'a pas encore tout qui fonctionne. Parce quoi là? Ah oui, si je fais pas la sortie, ça va pas aider. Hop. Voilà. Très bien. Donc ça est fait. Maintenant, on a du stockage là, on a du stockage ici. Et je vais peut-être faire la production des différents éléments là. Vous voyez, faire plusieurs passages. Donc je vais les faire venir. Pam, pam. Et là, on va vers le nord. Donc là, il va falloir réfléchir un petit peu. Mais là, je pense qu'on va être vraiment en plus grande production. Et toi, on va falloir en faire plus. Fais-moi en 4, même fais-moi en 8. Alors, j'ai décidé de m'y prendre comme ça. Plutôt que de faire des séparateurs, je me suis dit j'allais mettre un séparateur et envoyer à deux, mais on a besoin de plusieurs ressources. Et contrairement à du Factorio, on peut pas mettre deux ressources par tapis. C'est une seule ressource par tapis et je n'ai pas encore la possibilité de contrôler, vous voyez, d'alterner les ressources. Hein, donc je veux pas bloquer, donc on va faire trois tapis et je crois que normalement je devrais m'en sortir. Alors je peux vous dire que là la production d'énergie est vraiment lente dès que je construis, bien entendu, car on doit alimenter les drones. Je vais devoir trouver quelque chose pour améliorer, donc il me faudrait c'est là-dedans, j'ai cru le voir, voilà, le circuit d'énergie. Donc j'ai les deux ressources là, pas de problème, mais alors il me faut du graphène. Le graphène. Ah, il faut la technologie purification de la fonderie. Alors, c'est ça. Ah, donc ça, on va te lancer. Je n'ai pas de bleu, mais bon, là, on va essayer d'en produire assez rapidement. Donc, alors, avec ça, ils ont besoin d'énergie. Donc, on va te mettre... Pam. Pam. Ok, ça, ça va être fait. Maintenant, on va prendre les rapides. De celui-là. Tiens, on va commencer. Tac, tac. Hop. Donc là, je mets les rapides. Hein, les plus rapides, en tout cas. Ouais, construis-moi ça. Ouais, ça sort beaucoup plus rapidement. C'est très pratique. Ça va venir là. Donc là, on a besoin... On va mettre un standard. Je pense pas qu'il y ait besoin de... Plus. Voilà. Toi, tu vas également avoir besoin... De ça. Quoi le truc là? Ok, c'est au-dessus. Très bien. Je vérifie. Ouais. Donc maintenant, il nous faut. Pour cela, il nous faut ça. Ok. Donc, je te prends toi. Pam. Pam. Et là, je dois les envoyer là. Regardez ça. Génial! Donc maintenant ça a commencé la production. Est-ce que j'ai encore... Ouais, j'ai largement assez. Donc maintenant faudrait stocker tout ça. Donc on va les fusionner. Même s'il n'y a pas tellement besoin avec le système, c'est différent d'un Factorio en fait. Hein. À cause de... Comment les blocs se posent, comment ils interagissent. Franchement, j'aurais pu juste faire tac-tac, mais bon, on va faire ça. Ah, il va en falloir plus de ça. Allez, faisons une dizaine. Oui, non, ça va là-dedans, c'est vrai. C'est vrai que ça, il n'y a pas besoin de. Voilà. Voilà. Tu vas venir là, on va retirer ces choses là. On va stocker et on va ensuite. Une fois que l'on a stocké, je vais lancer la production des autres choses, puis après je vais voir pour.
Voilà. Je vais voir ensuite pour peut-être si j'ai besoin pour d'autres industries, mais pour le moment, on va mettre un rapide. Rapide. On a besoin d'autres. Et il me manque quoi? Oh, pour les rapides, il faut des moteurs. Ouh, ça je le savais pas. Ok, donc du coup, faut que je les apprécie un petit peu plus, c'est ça l'histoire? Très bien. Bon bah maintenant, on a besoin de faire... On va te mettre pour le moment, on en met une là, on va voir si on en met d'autres à côté. Je voudrais faire... C'est quoi? Ah non, c'est pas toi qui fais, oui, c'est la recherche. C'est lui. On va te mettre là. On va en mettre deux probablement, je pense. Je peux en faire une autre. Donc il manque des plaques, ouais. Voilà. Au moment. Si on a un troisième, on le mettra là. Ensuite. Il faut attendre que ce soit terminé. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Tu vas là. Très bien, les deux seront faits. Ici. On va attendre. Merci. Non, tu vas me faire là, les petits drones. C'est bon? Ouais. Bam. Pas d'énergie. Hop. Hop. Donc toi, tu vas faire ça. Toi, t'as pas d'énergie? Ah, t'es juste en dehors de la portée dont... Ok, c'est pas grave. On va te mettre là. Voilà. Et donc ça, ça va me faire toi. Et toi. On peut pas encore faire les rouges. Et il faut les faire sortir et les mettre dans un coffre. Parce que sinon, ils vont rester à 10 dedans. Du coup... Je peux faire beaucoup plus performant. On va me crier dessus dans les commentaires, mais je suis pas le pro de l'organisation. Hop. Hop. Alors, toi. Voilà, ici. Ah, j'ai mis une éolienne. Bon bah j'ai mis une éolienne, hein, c'est pas grave. On est... Ouh. On se rapproche hein, par contre, d'accord. Donc là maintenant ça vient là-dedans. Donc je peux ramasser ça, il faut que ce soit sur moi pour faire la recherche. D'accord. Plus on en a, plus la production, plus on a de matrix, hein, plus la production est rapide et plus la recherche est rapide également. On va mettre un troisième du coup. Au revoir. Que là on est alors on est bon du côté là mais on n'est pas bon du côté là, pourquoi? Il manque quoi? Il manque les rouages, les aimants et les aimants ici. Ah, il n'y a pas assez, d'accord, oui forcément. Bah oui, j'ai doublé, j'en ai mis deux de plus et on était pile. Bah alors du coup ça va être le moment de connecter toi enfin, c'est ton moment de briller, t'attends depuis je sais pas combien de temps. Alors, on va te ramener là et on va retirer ça. On va devoir fusionner avec. Voilà. Voilà. Comme ça, là, eux vont également recevoir leur propre dos. Je pourrais en mettre une troisième. Ouais, c'est pour ça que j'en ai mis un espace pour un troisième. Que j'y ai pensé, mais j'ai complètement zappé de raccorder ça. Voilà. Ça, s'il y a du rabla, ça va aller là-bas, mais apparemment, ça a l'air de vraiment tout utiliser comme ça le devrait. Mais je vous rappelle, 60-60 et production 180, là. Là, il m'en faudrait peut-être un troisième. On verra comment ça va se passer en fonction de ce que l'on a là-haut. J'ai pas compté la production ici. Alors, ça va devoir se calmer dans pas longtemps également. Black of Matrix. Ouh.
Ah, je viens de comprendre. On a le choix entre la production et la recherche. Donc j'ai pas besoin de faire la recherche moi-même. D'accord. Ah oui, là ça change les choses. Ça change les choses. Un moment, on va embêter. D'accord, donc là, maintenant, on va déblayer cette zone. Et on va préparer la recherche. Donc, je n'ai pas besoin de ramasser moi-même à chaque fois. Ah, ça y est, la recherche de purification est terminée. Donc maintenant, je devrais pouvoir... Alors si, je crois, est-ce que j'ai ça? Ça a été rajouté? Voilà, je peux le faire là, à partir du charbon. Mais là, je veux faire du verre. J'ai besoin du verre pour la recherche. Donc je suis en train... Hop. Bon, il y a un raccourci hein, pour transférer la sélection de là à l'autre, mais bon... du coup, maintenant, on a besoin... Toi. Pam. Voilà. Alors, je vais faire juste un peu plus de choses. J'en suis à combien? 100. Tu m'en fais un paquet. De toi, tu vas m'en faire plus. Et toi, tu vas m'en faire plus. Voilà, comme ça, je vais être prêt. Donc là, on va faire notre verre. On n'a rien besoin d'autre. On a juste besoin de... Ok, de cailloux. Très bien. Et maintenant... On va le stocker là. Simplement... S'embêter. Ah. Pourquoi quand je clique, ça ne fabrique pas? Ah, bah du coup, tac, tac. Dépêchez-vous de nous faire ça. Ah, ok. On a les coffres. Ok. Du coup. Simplement faire comme ça. Poser là. Et un seul pour lui, parce que je pense pas que je vais en avoir besoin énormément de ça. J'aurais bien aimé mettre un rapide par contre. On a trois. Ok, quand même. Voilà. Très bien. Ouais, ça c'est différent de Factorio et de Satisfactory. Bon bah voilà, j'ai mon verre. Avec mon verre, je vais pouvoir faire plus de ça. Combien je peux en faire? Il faut 4 de verre. Bah tu vas m'en faire... 3. Et on retourne là-bas. Vraiment un système pour économiser l'énergie. Parce que là, je suis trop juste. Et ici, est-ce que... Ouais, non, ça fait le reste. Alors, comment on va s'y prendre? On va devoir séparer. En fait, ça, c'est vraiment pas super utile. Hein. On va quand même le mettre là. Ah non, t'es trop proche. Ah. Un seul pour 3 va-t-il suffire? On va voir. C'est bien. C'est ça qu'il me faut en fait. Je suis couré. Ok, maintenant est-ce que j'ai mes... Ouais. Une, deux, trois. Ah. Trop loin ? Ouais, ça peut avec l'autre et... Ah, j'ai pas de... Ça. Voilà. Ok, on a besoin d'énergie. Maintenant, recherche. 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 Voilà. Regardez. Parfait. Ah, oh, si c'est pas beau. C'est le bordel, mais c'est beau dans le bordel, voilà.
C'est la beauté dans le chaos. Alors. Bah, du coup, là, vous allez me faire ma recherche. Mes recherches. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Cristaux. Peut-être là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin? Ah, plus rapide. Ça, j'aimerais bien le faire, mais avant. Plus de drones. Le problème, c'est que là, j'ai pas assez d'énergie pour tous les alimenter. Exploration d'univers. Ouh. Ok, on va faire ça. En attendant. Regardez, ça va le faire tout seul et j'espère que ça ne fait pas que le piocher. Non, j'ai rien en sac. Voilà. Ça les envoie bien, on est d'accord? Ouais, c'est bon, ça continue. Parfait. Bon, alors maintenant, j'ai besoin de mon graphène. Et ça va être fait là-bas. Ça va être fait ici. On peut le faire dans l'autre sens. Pas de problème. Ah, je le bouton pour arrêter. Alors, est-ce que j'ai au moins une mine? Hop. Et ça va pas être trop dur, en fait. Hein. Pour ça, il faut juste... Si je me trompe pas, on va te mettre là. On a juste besoin de charbon. C'est tout. Si je te mets là, tu vas toucher des... Voilà, d'autres filons. Voilà, on va te mettre ici. On n'a pas besoin d'énormément. Attendre. Bon. Ramener. Ouais, là, juste pour avoir un stockage pas trop loin. C'est facile à accéder. Et allez, hop. Hein? Voilà. Très bien. Maintenant, t'as besoin d'énergie. Je me demande où on en est. Côté énergie, j'ai un petit peu, je pense, abusé sur le nombre de choses que j'ai posées. Ouais, regardez. On ne satisfait pas complètement la demande. Et surtout avec tout ce que j'ai mis. Et ici. Du coup, il me faudrait un autre. Est-ce que je peux en poser un autre ici? Il manque quoi? Il manque de la roche, bien sûr. Bien sûr. Ouais, je peux te mettre là. Parfait. Je vais peut-être démonter toi. Toujours pas? Ah, c'est en train de me les fabriquer. Pas de carburant, t'inquiète pas, il y en a qui arrivent bientôt. Ce qui m'inquiète, c'est de ne plus avoir de... Je sais pas combien de temps vont durer les ressources que j'ai. Ça me fait un peu flipper, pour être franc. Alors, hop. Voilà. Donc là, on en a un autre. Et on est toujours pas... on satisfait pas complètement. Mais on peut le faire maintenant du côté, là. Alors. On va te mettre... Là. Et là, par contre, ou la quantité de charbon, ou ne va peut-être pas suffire. Bon, je vais le mettre et je vais raccorder à un autre s'il le faut, une autre mine. Ouh. On peut voir les veines du système, les veines de ressources du système planétaire. Ça va être pas mal. Oh, on peut faire connexion de... Ok, alors ça, je ne m'y attendais pas vraiment. Tout en bas. Ah, non, zut. D'accord, on peut faire connexion de machine à machine. Donc ouais, là, en fait, j'aurais juste besoin de ramener là et de faire pam, 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 pam. Ok, alors la question c'est, t'as pas de carburant. Est-ce que si je te donne un petit boost au départ, alors je te donne ça. Ouais, il va falloir plus, hein. Est-ce que là je peux miner?
Là, je peux miner, mais il va falloir démonter ce qu'il y a là. Okay. On va mettre toi. De là, pas plus. Voilà. Très bien. Ah. Déjà. Pas pour dire, mais ça part à une vitesse. Le charbon part à une vitesse dingue. Hein. Ok, avec ça, tout fonctionne. Là, ça s'empile. Ça s'empile. Non, pas encore. Mais bon, ça devrait bientôt. Et là, on est bon, mais il faut vraiment trouver un autre endroit avec du charbon et faire le nécessaire. Ou alors, je pourrais reprendre ce qui est en trop là et le renvoyer là-bas. Mais là, on est vraiment envoyé collé. Il faudrait des tapis plus rapides, en fait. Pourquoi les tapis plus rapides? Bon, ça se stabilise au moins côté génération. On est bon, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On a terminé toi. L'exploration d'univers, ça coûterait des choses que je n'ai pas. Là, il n'y a rien que je peux faire. Il me faudrait de l'acier, je ne l'ai pas encore. Ah oui, toi. Toi, je crois que je peux le faire. Du bois, du charbon. Alors, du charbon, on peut en ramasser là-bas. Et j'attends qu'il y en ait une dizaine de plus. Parfait. Est-ce que j'ai mis du bois là-dedans? J'ai mis du bois. Alors, c'était comment que je faisais là? Ok, le surplus repart. Maintenant, il nous faut le graphène. Et on n'a pas là. Ah. Oups. Ok, si je le mets dans le mauvais sens, c'est pas bon. Voilà, donc plus qu'à attendre 60. Et avec toi qui fonctionne. Ouais, on a encore une trentaine de pourcents disponibles. Et donc il nous faut 60 et puis on va pouvoir faire... C'est quoi que déjà je voulais le faire? Ah oui, plus de production d'énergie pour mon robot. Alors, ça y est, on a enfin suffisamment de graphène. C'est génial. Et regardez ça, c'est quand même, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Pour moi, c'est classe. Je sais que vous allez me dire, ouais, vous êtes des PGM et tout, vous faites des trucs de dingue. Mais pour moi, là, c'est classe. Alors, plus 200 kW de fuel. Alors, ça veut dire quoi, ça? C'est la production plus de génération du moment qu'il y a du carburant dans la jambe. Okay. Alors, du coup, on a ça. Bah, tiens, je vais ramasser peut-être un peu plus de... Je me dis, alors toi on va te ramasser, on va te mettre dans la chambre, mais du coup je pense que ma génération de charbon ici est stockage. Ah si, non, c'est bon. Ok, donc je vais pouvoir mettre, tac, tac, ok. Ah, donc là j'ai 1 gigawatt en stock. Waouh, ok. Génial, alors ici, ça... Ah ça c'est les entrées, ouais, entrée de plaque, c'est pour ça que ça clignote. Là-haut. On a ce qu'il nous faut qui attend. Donc on en produit plus qu'on en utilise. Tu en produis combien par seconde? Ça me dit pas. Hein. Ah, 20 par minute. Donc une toutes les 3 secondes. Ah, pas de recherche activée. Ah oui, ok. Du coup, technologie. C'est quoi que j'ai débloqué? Oui, l'énergie, voilà. Du coup, ici, que pouvons-nous lancer avec ce que l'on a? Ah, ça, l'acier, ça, je le veux. Ok. Et du coup, ça me dit que ça utilise combien? 60 haches par seconde. Et un bloc, c'est combien de haches? Un carré. Ouais, ça m'aide pas tellement, ça. Hein. Okay, si vous comprenez la logique, dites-le moi. Bon, en attendant... En attendant, on fonctionne bien, on en a pas mal en stock, donc je pourrais peut-être accélérer un petit peu plus la recherche dans le futur. Et bah, j'espère que vous avez aimé cet épisode, et je vous dis bah, à bientôt hein, sur un autre. Bye bye!